She said she want me back. I never made a promise of a faithful tire. Till the day she got me called, I thought she was a... Hello, hello la famille, bonjour à vous. Je crois que vous vous portez bien ce matin. Moi, je me porte à merveille par la grâce du Tout-Puissant. Bienvenue sur votre page Buzz pour Max, votre page qui fait dans l'actualité des stars en temps et en heure réel. Ici, nous sommes spécialisés dans le Guéré et le Japap des stars en Afrique et de par le monde entier. Comme vous le savez, il y a de cela quelques temps, ça grouille dans la belle famille en Côte d'Ivoire. Ça va vraiment dans tous les sens, puisque d'ici quelques jours, on va annoncer, va débuter plutôt autant pour moi, le début de la CAN Total Energy 2023. Parce qu'ils appellent ça 2023, je ne sais pas pourquoi, pourtant on est en 2024, mais bon. Donc ça a commencé là avec l'arrivée des équipes qu'on a pu voir sur le net. Les continentaux sont déjà aussi là, au Cameroun, c'est-à-dire. Et la nouvelle a frappé, il y a de cela quelques jours, je pense bien, que Taïk et Dadju sont bien, bel et bien arrivés à Abidjan pour prester pour l'ouverture de la CAN Côte d'Ivoire. Les deux besties qui chantent pour l'amour, pour vivre, ont posé leurs valises hier en Côte d'Ivoire pour une soirée très relaxe et arrosée s'est tenue en guise d'accueil. Et on les a également bien reçus avec les mets traditionnels, c'est-à-dire Aloko, Plakali, Atike, Gaba et tout. Ils ont commencé même déjà les répétitions pour la CAN, comme vous avez pu voir leurs photos là déjà au stade. On sent vraiment que la CAN sera sucrée. Je pense que ça risque même être plus sucré que le Camerounais. Parce que là, on a négligé les Ivoiriens, on a dit non, ça dort gros, ça ne bouge pas. Ils sont déjà en train de nous surprendre. On dit souvent que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Moi, je sais qu'ils vont mettre du paquet. Ils sont d'abord très doués pour l'organisation des choses. Je vois souvent juste avec les soirées culturelles, c'est vraiment souvent du waouh. Je parle du Primut là. C'est vrai que le Primut, c'est pas la CAN, mais je sais qu'ils vont mettre du paquet. Certains gens sont sortis pour porter critique, pour dire non, pourquoi avoir invité les Français pour l'ouverture de la CAN et tout. On a les artistes du territoire, on a les artistes africains là et tout. Non, faut laisser ça. Laisser les histoires de Français, de nationalité et tout là. Ces gars-ci là, non. Ils sont africains. On est nationalité juste parce que bon, on prend le papier, ils ont grandi là-bas et tout. Mais ils sont africains. On a là un Camerounais et un Congolais. C'est ça, ils ont la peau noire, ils n'ont pas la peau blanche. Leur origine, c'est ici chez nous, en Afrique, la terre de nos ancêtres. Donc c'est ça. Moi, je sais qu'ils vont mettre du paquet. Et ce n'est même pas généralement les deux artistes qui pressent seulement. Ils sont juste les guest stars. Il y a parfois ceux qui les accompagnent là. On prend généralement les artistes un peu de partout. On va peut-être prendre un Maghrébin, on va prendre un Camerounais, on va prendre un Congolais ou un Ivoirien, c'est ça. C'est toujours comme ça là. Arrêtons un peu les ragots là, c'est ça qui passe toujours le temps à nous diviser. On a trop hâte que nous soyons à demain, on sait que ça va chauffer. Il est bien vrai, nous on est ici au Cameroun, non. Mais on a hâte que la CAN là commence plus que vous-même. Je vous assure, vous ne savez pas. On a trop hâte parce que le Cameroun et la Côte d'Ivoire, c'est deux pays voisins qui s'aiment beaucoup. Malgré les petits clashs et tout, on sait que dans le fond, il y a beaucoup d'amour. Vous êtes nos jujus, les besties. On est les besties. On va aller et on sait que la coupe là, ça va rentrer chez nous, ça c'est clair. Bon, la famille, c'était juste mon petit point de vue par rapport à l'arrivée de mes deux artistes préférés. Taïk et Dadju pour la CAN, on sent que ça sera vraiment du lourd. Merci à tous ceux qui ont regardé ma vidéo jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui sont abonnés à notre page, qui nous soutiennent tous les jours à travers un like et un partage. Vous êtes les meilleurs, vous êtes adorables. Continuez à vous abonner massivement, à liker, à partager. Surtout, prenez soin de vous. Bonne suite, bonne journée sous la protection divine. Bisous, bisous.